c'est l'ouverture. On est le 25 juin. C'est quoi qui est prévu cette année? Bien, en fait, ça va être une année d'ajustement, je dirais. On va essayer de tricoter avec les normes de la santé publique. Donc, pour l'instant, malheureusement, l'aspect festif qu'on avait là, avec les spectacles, tout ça, pas permis, dégustation pas permise, mais ça évolue vite. Donner un petit exemple, on devait pas avoir notre permis d'alcool aujourd'hui et à 11h ce matin, j'ai su que c'était possible. Fait que, comme vous pouvez voir, ben, il y a de la bière à vendre. Puis, il y a un frigo. Le frigo, tout est là, on est bien installé. Il y a de l'eau pour se laver les mains, il y a des masques en masse. C'est ça, il y a même un kiosque qui en vend pour ceux qui en veulent. Nuvac nous a commandité du désinfectant pour les mains en plus. Fait que non, on est bien équipés, là. Faut juste que les gens s'habituent au circuit. On va les sensibiliser, mais ça fait partie de la nouvelle formule. Peux-tu nous donner une idée de quel... Quel cultivateur on va avoir? Oui, bien en fait, vous allez avoir un petit peu de tout. Boucherie, le pain, bien on a la nouvelle boulangerie à Valcourt que vous avez présentée la semaine passée. Donc, Yannick et Pauline avec les délices du village. On a plusieurs producteurs qui reviennent l'année passée. Ça va être une bonne saison. Donc, ça a bien été pour recruter les producteurs. On va avoir l'école du troisième rang qui revient. Donc, vin, alcool. Là, cette semaine, ils sont pas là, mais la semaine prochaine, ils vont pouvoir commencer. Boucherie, une belle offre. Porc, bœuf, poulet, bacon, saucisse, de l'oie, du canard. Oui. Donc, c'est un nouveau producteur, le domaine de la chasse-galerie de Melbourne, qui, s'ils ont le droit, là, cet été, vont faire des petits barbecues même. Fait que, non, c'est ça, on espère pouvoir... continuer dans notre aspect festif autant que possible, mais on dépend de beaucoup de facteurs. OK. Puis on se rassemble ici, on boit de la bière. À 2 mètres de distance. Est-ce qu'on pourra manger aussi, oui. Étant donné le grill? Le grill, puis il y a le quartier oriental aussi qui a du prêt à manger. Allez voir ça, des petits roulés, c'est nouveau cette année. Oriental, c'est vietnamien, égyptien. Libanais. Les trucs tunisiens, libanais aussi, si je ne me trompe pas. Ouais. Fait qu'ils ont une belle offre de desserts, de prêt-à-manger. Et il y a probablement d'autres producteurs qui vont offrir du prêt-à-manger éventuellement. Fait qu'on ne peut pas installer beaucoup de tables pour l'instant, mais une petite nappe par terre, faire un petit pique-nique, ça peut être bien le fun. Fait qu'on se sent là où on était. Ben c'est ça, il y a le fromage aussi du campagnard qui se mange super bien, avec une baguette de pain, justement, ou les petits beignes. Les jardins Méridor, les beignes à l'argousier, si vous avez pas goûté, tout est bon. Okay. Manquez pas ça. Il n'y a pas de vacances. Non. Nous, on est du 25 juin au 10 septembre, peut-être 17 si la réponse est bonne, on va être tiré. On regarde peut-être aussi pour faire une espèce de petite fête des récoltes là, à la fin de la saison. C'est pas les projets qui manquent. Hein? Non, c'est ça. Là, la réponse semble bonne. Les gens finissent de travailler, viennent prendre une petite bière. Je pense que ce qui s'est développé l'année passée va bien s'y transposer cette année, malgré les contraintes. Là, on est capable de s'ajuster, mais le parc est grand. Merci Kevin. Merci belle saison à toi, tes producteurs. Oui. Puis tes bénévoles. Les bénévoles, puis vous autres, les clients aussi. Hey, merci beaucoup. Merci. Bye. Production principale, en fait, c'est des paniers de légumes. OK. Puis là, ici, on a des plants, des fines herbes, des pousses.